Hi, Ank. We are very happy to have you with us this morning. And I'm very happy to be with you. It's really a pity that I'm not in Paris, but still, I'm happy that we at least have the connection. You are one of the global experts for smart cities and sustainable cities. You are based in Amsterdam. And we had the idea to invite you today to give a European perspective of what can be a smart and sustainable city. Actually, Amsterdam is a very good city for this kind of subject, and Amsterdam is a bit advanced, you know, on the subject. So the idea with you today is to learn more about Geodan and what's your implication, you know. So please, Hank, you can start. Thank you very much. What I have to tell you is that I have different duties, different jobs. So I'm a professor at the university. I work for the European Union in Italy. And I have a private company called Geodan, and we are quite active in a number of countries. But of course, we are coming from Amsterdam, so we are happy that we can show and demonstrate what we have learned in Amsterdam. So what we are going to do is to give you an overview of the steps we have made. And in France, I think they would call it a cookbook. So it will be a recipe for a smarter city. And that's what we want to share with you. It goes immediately to a number of steps. This is the general scheme I always have in my mind, because we are talking about, let's say, the digital transformation. And that means technology, it means data. But at the same moment, we are talking about a city, and we are talking about a changing city, a changing society. So that means we are talking about the different themes and we're talking about the different stakeholders. What I would like to stress today is that we are always talking about three important stakeholders. We are talking about the industry partners, like Geodan. We are talking about the academics, the university, like the Vrije Universiteit, where I'm a professor. And we are talking about your role, the role of the government. You try to guide us and you try to take care that things are going in the right direction. Of course, we also have the citizens, and the citizens are playing different roles. What I think is important is to stress the difference between Europe and other nations or other continents, because what makes us different from the other continents that are our values. So I think it's important that you always remember the fact that we have values which are so important when you develop a city, and you know that, of course. It's also important to understand the different scales. When we talk about climate change, we are talking about the Paris Agreement for the whole world. But at the same moment, for us in the Netherlands, means climate change, how to take care of the water, because we have too much water. And we have to take care that the water is not going in the wrong directions. So that are the different scales. And when you talk about scales, you're talking about geography. So there will be a lot of geography in our presentation, and I will tell you why. I told you already that this is more or less the vision we have. We have a vision on humanity, on public values, and on the themes. What we hope, also in this presentation, is there will be an awareness. We know that the transformation, the digital transformation, is difficult. We know that we need an agenda. And we also need that we have the policy people who have to take their role. So that's the background. Everybody's talking about technology. What kind of technology? Yeah, there's so much technology. I like to show you my car because that's related to robotics. But we are also talking about what's happening in the digital world related to AI, artificial intelligence. Or we are talking about the big data. So a number of important trends, which are all part of this changing society. And I'd like to show you our background. So we coming from geography. We think that geography is crucial for a city. And we started with making maps. A map is information. That's so important to stress that this is already information, but we are changing. So we come from paper, and now we go to digital. And when you go to digital, yeah,
you see immediately that digital means something else than a map. It becomes 3D, yeah? And it goes further. It's also the subsurface, which is crucial. And we go another step further because it's also what's happening indoor. And then we go another step because it's at the same moment we know that we are measuring every second what's happening. So sensors are crucial. The time dimension of data is the most important one, especially when we're also looking to, for instance, disasters. So time dimension is the extra dimension next to the 3D dimension of the maps. Yeah. What is important that an organization like your municipality is able to plan and to execute operations based on this real-time view of the real world. So that's what we hope to tell you, that you have all the data on your hand, real-time, and the question is, how can you make information out of it? And how can you use it in such a way that it will be the best solution for your citizens? How do we do that? By bringing the real world to the digital world. Let's call it to change the world in such a way that you have it in your hands, that you can play with it, but in a very serious way. And this kind of steps are well known also in industry or in health. And we are telling you that we can also do it in, let's say, the planning of a city, the digital twin. Okay, so let's show you the integration of the real world and the digital world. And we have a number of examples. For us, the Amsterdam city is, of course, our hometown. But don't hesitate. If you want to have more information, for instance, about German cities, where we have done the same exercise, then we are more than happy to explain that to you. What's also nice to tell is that in the Netherlands, we use the same approach also for our water system, the dikes. What is important, we have to make a distinction between the engineers and the architects who are making the plans. They sometimes talk about BIM, building information models. It's clear that we need these people and that we have to integrate that. And of course, we have to talk about the behavior of people and also behavior of objects. So that's more or less the story. On passe maintenant à Corentin pour une présentation sur 2-3 minutes du superviseur qui permet de piloter une partie de la ville d'Amsterdam. C'est parti, Corentin. Bonjour. Donc, on a pensé que vous faire une short démonstration serait utile pour montrer un peu les différentes fonctionnalités du dashboard qu'on a pu développer avec la ville d'Amsterdam. Donc, déjà, ce qui saute aux yeux, c'est l'environnement 3D. Un environnement 3D qui, pour nous, est essentiel. C'est la base du développement d'un digital twin et des smart cities pour la visualisation. Et aussi, c'est en termes de prise en main, c'est ce qu'il y a de plus facile pour l'utilisateur, évidemment. Et pour naviguer, c'est ce qu'il y a de plus instinctif. Donc, c'était pour nous important d'intégrer cette partie 3D au sein de notre dashboard. Partie 3D dans laquelle on a intégré différentes fonctionnalités. Donc là, on peut le voir, on a un flux du trafic routier sur les principaux axes de la ville en temps réel. Faut savoir qu'il y a différents capteurs, des caméras qui enregistrent les informations en temps réel et elles sont retranscrites au sein du dashboard en temps réel. Et très simplement, en vert, un trafic fluide qui vire au rouge quand le trafic est de plus en plus encombré. Et on a l'ensemble du réseau autour d'Amsterdam représenté au sein de ce même dashboard. Les différents points verts que vous pouvez voir se déplacer au sein de la ville correspondent aux différentes lignes des transports en commun de la ville d'Amsterdam, donc tout ce qui est bus, tramway, métro, même les trains. Et si on passe la souris au-dessus de ces transports, de ces différentes lignes, on peut voir un délai, donc sur la ligne 300, un délai d'environ 30 secondes. Il faut savoir que pour toutes les lignes du réseau de transport en commun, on enregistre le retard de ligne et la couleur particulière d'une certaine ligne va virer au rouge quand un retard est aperçu. Et ça, pour l'utilisateur, c'est une façon très rapide de voir quelles lignes sont en retard par rapport à d'autres.
Une autre fonctionnalité, c'est ces colonnes que vous pouvez voir sortir du sol. Chaque colonne correspond à un parking différent de la ville. Donc, si je clique sur le parking Mikado, par exemple, sur un total de 360 places de parking, on peut voir que 103 d'entre elles sont occupées. Et ce type de fonctionnalité, c'est très utile, par exemple, pour la Johan Cruyff Arena, qui est le stade de football de la ville d'Amsterdam. Parce que pour eux, ça leur permet de voir en temps réel l'état des parkings et possiblement rediriger les utilisateurs vers des parkings alternatifs et éviter du trafic en amont. Et au-delà de toutes les fonctionnalités au sein de cet environnement 3D, on a aussi un certain nombre de key performance indicateurs. Donc, certains graphiques qui représentent, par exemple, le nombre de vélos en libre service sur les 12 dernières heures, je crois, le nombre de places de parking disponibles dans certaines zones de la ville, donc ici le centre-ville, sur les 7 dernières heures, ceci pour différentes zones de la ville. On a aussi des live streams qui viennent directement des caméras du réseau de transport sur des points, des nœuds assez importants de la ville. Et bien sûr, on a des graphiques qui représentent plus sur les retards enregistrés par les différents bus, tramways, métro. Et par exemple, ici sur le métro, on peut voir qu'il y a eu un pic dans les retards dans ce qui correspondrait à la période d'affluence du matin. Et on pense que ce genre d'indicateur, ce genre de dashboard, c'est très utile pour les gens qui sont en charge de ces problèmes. Ici, c'est très axé sur la mobilité. Ça leur permet d'avoir les informations en temps réel, d'être très réactifs, de prendre les bonnes décisions assez rapidement. Et d'autre part, c'est une façon de centraliser l'information dans un point commun, information qui jusqu'ici était dispersée dans différents services de la ville. Et donc d'avoir une vision globale du problème qui est la mobilité ici. Et bien sûr, ce qu'on a fait pour la mobilité, on l'a fait dans d'autres domaines. Donc on peut avoir une autre version du dashboard sur le domaine de l'énergie, où on peut voir la production des éoliennes, la production du solaire. On peut aussi voir les différents labels énergétiques des différents buildings de la ville d'Amsterdam. Et on a aussi fait une version qui est plus orientée environnement, donc la qualité de l'air, la concentration des polluants, la concentration en particules enregistrée en temps réel par des capteurs qui se sont dispersés au sein de la ville d'Amsterdam et sur certains indicateurs sur la qualité de l'air. Je ne vais pas avoir le temps forcément de développer sur toutes ces fonctionnalités, mais évidemment, si des gens ont des questions et veulent venir me voir durant ce forum, je serai très, très content de vous présenter et de pousser la démonstration un peu plus loin. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Corentin, pour ton intervention.